Coucou! Alors, j'ai tout plein de courriers à vous ouvrir encore. Hop, 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 hop! Ça tombe. Tout ça, tout ça, tout ça. Et un colis. Donc, le colis m'intrigue. Je vais commencer par le colis. Je vais tousser. J'ai préparé ma boisson chaude. Bon, là, c'est vraiment trop, trop chaud. Je vais goûter le thé qu'on m'a envoyé orange cannelle. Il m'intrigue. Il m'intrigue, il m'intrigue, bien qu'on soit le matin. Oui, alors on est dimanche matin. Voilà, donc ma douche est prise. J'ai mis un pull qui était pas repassé, ça me dérange pas. Je suis coiffée moyen, moyen. Mais bon, c'est dimanche, hein. Et en dessous, j'ai un bas de pyjama. Je me suis refoutue à l'aise. Je cherche quoi? Oui, je cherche mon scalpel. Il est là. On va faire une opération du colis. Alors, des fois j'ai. Bon, ah bah non, il n'y a même pas besoin. Il y a un truc là, tirer ici. Tirer pour ouvrir. Bah oui, mais avant de tirer, voilà. Hop, en bas. Bravo, Coco. C'est tout moi, ça. Bon, bah, scalpel, hein, finalement. Alors, j'ai pas dit de qui ça me venait. De Marie Chantal. Oh, oh, comme c'est mignon. Attendez, hop, je retourne parce que j'ai fait à l'envers et j'ai mon nez qui me pique. Oh, bah dites-moi, c'est beau ça. C'est beau, c'est beau. Alors, ta-da-da. Alors, une embellishment box. Je vais. Oh, c'est trop mignon. Très belle cette découpe de fleurs de cerisier là. Regardez-moi comme c'est mignon ça. Oui, je vais enlever. Oui, je vais enlever le plastique. Arrêtez de râler. Oh. Alors. Bon voyage. C'est très sympa. Tropical. Elle est très jolie. Très très jolie. Alors, je viens. Ah. Ouais, quand on est toute seule à scraper, enfin moi ça va, j'ai mamie avec moi, mais dans mon entourage. Ah si, j'ai Caro, ma copine Caro qui scrape aussi, mais ouais, c'est vrai que quand on est toute seule dans son coin, c'est complètement. Il n'y a pas beaucoup de partage, c'est pas trop, trop interactif quoi. Ah, et voilà, mamie colle. Je regarde vos vidéos YouTube ainsi que celles de votre maman, que j'embrasse en passant. Bah écoute, merci beaucoup Marie-Chantal. Très très jolie carte. Et j'ai ta photo. Alors attendez, elle s'ouvre par là, la Memory Dex. Oui, je me renifle. Bah oui, c'est le matin, il est 10h56. Enfin, le matin, il est presque le midi. J'aime beaucoup cette découpe de fleurs de cerisier. C'est très joli. Ouais. Avec ta photo. Alors c'est mignon ton nom Facebook, je trouve. Oh, on a un an d'écart. Cool. Bah écoute, c'est vraiment mignon. Je vais te noter tout de suite sur mon cahier. Si on m'a pas repris mon critérium, je crois qu'on me l'a repris. Non, mauvaise langue. Je dis des bêtises. Donc, on est dans l'ouverture numéro 24 déjà, 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 déjà. Et Marie Chantal. Hop, hop, hop. Très classe ton nom de famille.
Tu es la participation 160, 161. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais me mettre un petit coup de mouchoir, hein. Ça fait pas de mal. Voilà, hop. Désolée, poubelle. Elle est où ma poubelle? Bah, ma poubelle a disparu. Bon, bah, ma poubelle a disparu. Bah, bon, bah, pour l'instant, je vais mettre ça par terre. Super, classe aussi. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'embellishment box qui est trop joli. Avec cette même découpe. Désolé. Voilà. Et je vois qu'à l'intérieur, il y a des trucs trop sympas. Regardez. Hop. C'est toujours une super découverte. Oh, c'est des roses. Parce que moi, j'avais vu à l'envers. Et je me demandais ce que c'était. Je me suis dit, oh, c'est des petites fraises. Non, c'est des petites roses. Pardon. Des petites roses au crochet. Bah, j'ai été voir le médecin et voilà, et on peut rien faire de plus, hein. je touche. Elles sont trop mimi tes roses, en plus les couleurs elles sont trop sympas. Six petites roses comme ça, trop bien. On va peut-être mieux les voir, allez. Regardez l'arrière. Et... Ouh ! Ah non, alors là si je fais tomber, c'est sûr que je vais pas la retrouver avec... Avec les chats, avec les chats, c'est non, c'est sûr. Voilà, un petit coup de patte et tout, ça fait une petite balle. Non, non, non. Elles sont trop mignonnes. Faut que je pense à un truc à faire avec, parce que j'ai très envie de les utiliser. Des petites découpes. Là, vous voyez rien. Là, vous voyez mieux. Ouais, voilà. Sur du noir, on voit mieux. De Bambi, il y en a quelques-unes. Ensuite, tout plein de découpes. Alors ça, c'est trop sympa. Tout plein de découpes de mots comme ça. Hello, 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 hello. Voilà. Et là, oh mince, faut que je le recolle. Pas de souci, je vais le recoller. Hop. Des toutes petites boîtes cadeaux. Mais c'est trop mignon ça. Regardez. Alors, le petit nœud est parti. C'est pas grave, ça se recolle. Voilà, mais c'est trop mignon. Ça s'ouvre. Non, ça s'ouvre pas. Non, c'est une déco. Je vais le recoller tout de suite. Hop, de quel côté? Ici. Maintenant, si je remets pas le bouchon, ça va pas le faire. Hop. Voilà. Regardez-moi comme c'est chou. C'est tout mini. C'est tout mini. Il y en a un autre en vert. Non, ça s'ouvre pas. Non, mais je me parle à moi-même. J'y suis en train. Non, c'est une déco. Oh, tu m'en as préparé tout plein. Ah, trop bien. Regardez. Tout plein, tout plein, tout plein. Hop. Avec les petits nœuds et tout. Les petits découpages de nœuds à mettre dessus. Ah, oh, c'est trop mignon. Vraiment. Et... également. Ah, ça aussi, c'est chouette. Oh, c'est trop mignon, ça aussi. Regardez. Hop, pas trop près, sinon ça fait du flou. Petite poupette comme ça, il y en a deux. Et des gorgeous plastifiés. Trop mignonne. Ça, c'est vraiment pratique, ça. Regardez, bon, c'est toute la même. Je vous les montre toutes. Voilà, des gorgeous comme ça, plastifiés. Ça, c'est génial aussi. Merci. Merci. Puis en plus, quand on regarde la box, vous voyez toutes les couleurs. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ben, Marie-Chantal, un grand, grand merci. Je vais remettre les petites boîtes dedans. Oh, mais c'est mimi. Hein, c'est le pliage et tout. C'est tout kiki. Ah, c'est tout petit. C'est trop mignon. Oui, je suis en train de plier, voir. Oh là là, alors là, il va falloir utiliser mon truc de colle comme ça, hein, pour coller, pour faire des toutes petites pointes de colle. C'est trop bien.
Ah ouais, c'est trop bien. Alors ça... Ah d'accord, j'ai compris comment ça se collait. Ouais, ouais. Ça, c'est le dessus, le petit bouchon du dessus. Après, on a la base, ici. Et après, on a... faut faire le fond. Trop top. Merci beaucoup, franchement. Ta boîte est trop jolie. Vraiment très, très belle. On va la mettre... On va la mettre là. Vous la verrez pas beaucoup, mais moi je la verrai. Voilà. La carte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre. Ah, ta photo. Ah non, voyage, il est tombé. Attends, hop, voyage, on va le remettre. Je vais mettre ton numéro derrière ta carte. Voilà. Parce que je vais pas mettre le colis dans mon dans mon panier, parce que sinon ça va plus. Mon panier qui est déjà bien rempli avec toutes vos lettres et tout. Voilà. Donc ça, par terre, ça sera pour la poubelle. Ça, je vais le garder. Oh non, je pense que c'est ton colis qui va me servir de poubelle du coup. Voilà. Hop, je m'organise au fur et à mesure. Et ça, je vais le garder parce que c'est quand même pratique pour faire des envois. C'est une sorte de mousse là, c'est quand même très très bien. Donc Marie Chantal, merci beaucoup. La mémoire d'ex, je la mets là. Et la carte, je la mets là. Voilà, organisation. Oui, ça me gratouille un peu, ça me fait pas mal. Mais je suis toujours en train de toucher, donc on continue. Ça commence fort, c'est trop bien. Waouh. Alors, je pensais que c'était un truc officiel, enfin officiel, comment vous dire, j'ai caché mon adresse, vous voyez, j'ai reçu comme ça avec documents et tout, et d'après le nom derrière, ça doit être une participation au concours. Peut-être il y a des choses d'Halloween dedans, vu que l'enveloppe elle est toute noire, ça fait penser à Halloween. Hop. J'en ai acheté des colorés comme ça aussi. Pas des noirs, mais... Oh, c'est classe. Oh, merci. C'est de la part de Betty Scrapoon. Avec le bloc de chez Action qu'on a toutes aimées. Enfin, toutes celles qu'on a réussi à le trouver. Avec les petites nénettes, là, tout en noir et blanc. Donc, par où je commence? Par la carte. Ça serait pas mal. Hop. Oh, tu m'as fait des trucs trop bien, les découpes. Oh, les découpes sont trop belles. Donc, une jolie carte. Voilà, tout en noir et blanc, c'est joli. Hein. Des fois, on dit oui, c'est triste le noir et blanc, ça fait deuil et tout. Non, pas du tout. Là, c'est pas du tout, deuil. Alors. Tu fais pas souvent de mémoire d'ex ni de carte. Bon, c'est pas grave. Ah, t'as mis un filtre. C'est pas grave, ça compte. Allez, ça compte quand même. Je ne t'en voudrais pas si tu ne la comptes pas. Bon, on verra quel filtre que t'as mis. Si on te reconnaît pas du tout. Bettina de Betty Scrapoon. Alors. Je vais remettre ta carte dans l'enveloppe pour être sûr de pas la... Ah non, bah non, dans la mémoire d'ex. Dans la mémoire d'ex. Oh, dans l'embellishment box enveloppe. Je sais pas comment. Non, pas embellishment box, mais je m'embrouille ce matin. Loaded. Voilà, c'est une mini loaded. C'est une enveloppe, voilà. C'est une enveloppe. Hop. Ensuite. Oh, ça va. Ah oui, t'as mis le filtre Disney. Ouais, t'as triché quand même. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le jeu. Hein. C'est très mignon. Alors. J'aime le chabis, les fleurs, le noir, le rose, la dentelle, le pastel, les shakers, le junk journal, les diamond paintings, les animaux. Et je suis une grande fan de thé. Bon bah écoute, à la tienne.
J'aime moins le mix média, la colorisation et Halloween effrayant. Ouais, je pense qu'on est tout un peu comme ça là. Hein. Dans le scrap Halloween, Halloween cracra, on n'aime pas ça. Donc, tu as le 162, 163. Ah oui, maintenant j'ai mis ton pseudo. Bon, c'est pas grave. Ça sera plus facile à retrouver au cas où. Alors, hop, ton nom. S. Voilà. Bim. Ma mine s'est craquée. Très très mignonne. Je sais pas si je vous l'ai montré. En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de l'ouvrir. Je pense pas. Des fois, j'ai l'impression que vous êtes à côté de moi, donc que vous voyez tout ce que je fais. Mais non, faut que je reste dans l'angle de la caméra. Voilà. Alors non, la mémoire est là. Je la mets là. J'allais la remettre dans l'enveloppe. Voilà. Et tu m'as fait tout plein de découpes. En plus, les couleurs, c'est vraiment des couleurs top, des couleurs que j'adore. Cadeau, tradition, sapin de Noël, oh oh oh. Alors donc, il y a quoi? Il y a bonheur, hello. Oh, c'est quoi ça? Attendez, il y en a un que je connais pas, je vais aller voir. Alors, t'es où celui que je voulais voir? C'est quoi ça? Nous. Ah ok, sympa. Un petit nous. Voilà, faudra que je les détaille un peu plus tout à l'heure. Ah, il y a même des petites biches. J'avais pas vu tout à l'heure. Des petites biches. Voilà. Du hello, du famille, joie, bonheur, c'est ça? Ouais, franchement, sympa. Et même les petites... étiquette pleine là, c'est très 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 sympa. Donc ça, je vais mettre sur le côté là. Alors maintenant ça me fait 3 piles. La carte, je vais la remettre dans l'enveloppe. Voilà, et je vais encore éternuer. Bah Betty, merci beaucoup. Non, Bettina, pardon. Je vais encore éternuer. Voilà, c'est sympa. Encore. Franchement, je suis désolée. J'ai marqué ton numéro, donc là, je vais les marquer sur l'enveloppe aussi. J'avais marqué, au lieu de marquer 163, j'ai marqué 663. Non, on n'en est pas là quand même. Non. Voilà. Bon, bah merci beaucoup. Donc, bah, elles sont vraiment sympas. Elles sont un petit peu dans le même esprit, hein, l'esprit Minette là. Voilà, 2 ouvertures, 2 petites poupettes et 2 Memory Dex avec la photo. Combien de temps il me reste? 10 minutes. Bah, allez, encore une. À ce rythme-là, vous allez en avoir jusqu'à fin décembre. Des ouvertures de courrier. Allez, on continue. Oui, on continue, bien entendu. Alors là, un courrier qui me vient de Monique Maurice. Alors j'ai dit le nom parce que sur les réseaux, le nom apparaît. Donc. Ouh, un joli petit nœud. Je vais ouvrir la carte d'abord avec un joli petit renard. C'est en train de jouer là-bas, je sais pas ce qu'ils m'ont piqué, j'ai l'impression que c'est un stylo encore. Oh, avec des feuilles et des fleurs séchées. Regardez. Très sympa. Trouve. Ben on va voir ça, ta Memory Dex, on va voir ça, t'inquiète. Voilà, ensuite. Oh, c'est sympa, regardez. Ça fait comme un trombone, mais fait maison. Vous voyez, avec des ronds. C'est une bonne idée, ça. Alors. Des petits embellissements. Ah, bah, ça, c'est bien. Ça tombe à pic. Parce que j'ai dit, j'allais tester, essayer de vous faire quelque chose de vintage. Bon, quand, je sais pas. Hein, peut-être en 2022. Mais je ne sais pas quand. Alors là, il y a une carte à tester.
rouge, noir et couleur pastel. Voilà. Hop, donc des petites découpes. Oh, des petits lapins. Oh, c'est quand même très très mignon. C'est quand même très très mignon ces petits lapins. Voilà, des petits renards, très sympa aussi. Il y en a en plusieurs couleurs. Voilà, voilà, voilà. Alors attendez, hop, je vais les poser. Je remets tout dans l'enveloppe pour l'instant. Voilà, hop, et on va découvrir. Ah, c'est sympa. Dans une enveloppe aussi. C'est la journée des emballages enveloppes. Hein. Voilà, Betty et toi. Hop. Oh, la sorcière. Bah oui, c'est très dans le thème du moment, ça. Voilà. Bon, bah c'est bon, il y a tes coordonnées derrière, mais il n'y a pas ta photo. Je pense pas que ça se soit ta photo. Ah, je pense pas. C'est possible, hein, mais non, je pense pas. Donc, une participation. Attendez, je remets bien ça, je remets bien ça. Je prends la Memory Dex. Je remets tout dans l'enveloppe. Et je vais marquer ton nom. Alors, je cherchais ton prénom. Hein. C'est pas compliqué ton prénom. Hein. Je connais bien ton prénom. Hein. Donc, tu as la 164e participation. Je sais pas si vous avez vu là. Il y a des petites araignées avec du coton et tout. Non, c'est sympa, hein, franchement. Avec de la peinture et tout. T'as bien travaillé, c'est bien. Merci Monique. L'enveloppe, je la mets devant moi. Bon, bah il reste 7 minutes. Hein. Je vais m'arrêter là pour cette ouverture. Oui, bah on a des tocs hein, quand on veut tourner les pages. On fait tout ça. Allez, arrêtez, on fait tout ça. Allez, ouverture 25 la prochaine fois. Voilà. Donc j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ça forme encore deux ouvertures, ça. Allez, on va goûter le petit thé cannelle. Orange cannelle. C'est pas mal. C'est bon, hein? Ah oui, c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Ça va m'ouvrir les naseaux. Bon, bah écoutez, hein, je finis la vidéo en vous papotant. C'est encore un peu chaud quand même. Bon, allez, je vous laisse. Merci à vous trois. Et on va continuer avec les autres. Ah bah René. Ah bah René, oui, voilà. René, tu me demandais si j'avais reçu ta carte, ton enveloppe. Ah bah faudrait que je te dise que oui, on l'a reçue. Bah du coup, on a dû la recevoir hier samedi, le 9. Oui, oui. Donc bon. Bon bref, on continue les ouvertures. Vous verrez l'autre ouverture demain. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Allez, ciao.